Yo les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Masters. Et oui, je vous avais dit que je couvrirais le jeu quand il sortira. Et il est effectivement sorti aujourd'hui, un peu en avance. Il me semblait que c'était plutôt le 30 ou un truc comme ça qu'il devait sortir. Et bien, il est sorti. Et donc, nous allons faire une petite vidéo découverte du jeu. Je ne l'ai pas du tout lancé, donc je vais découvrir avec vous les premières 10 minutes. La vidéo va pas durer très longtemps, 10-15 minutes grand max, pour voir un petit peu comment ça se passe. Si au niveau de la connexion et des temps de téléchargement c'est un peu trop long, au vu de... vous savez que la connexion que j'ai ici elle est pas terrible, je vous ferai des cuts pour pas vous emmerder. Et donc voilà, on va découvrir ensemble ce Pokémon Master. Donc je compte sur vous, grand fan de la licence, m'appelant Sacha en même temps, hein, je suis un peu dans l'obligation d'aimer. Eh bien je suis ravi de pouvoir jouer à ce jeu mobile et découvrir avec vous. Je compte sur vous, fan de Pokémon, de par le monde entier, de bombarder cette barre de pouces bleus. Sinon Mewtwo que tu vois sur l'overlay va t'envoyer une attaque psychique, une attaque psycho dans la tête. Ça va être terrible. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Sinon pareillement Mewtwo il va être vénère. Essaye d'aller checker mes réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook dans la description. Tous les jours, j'y donne les news concernant DB Legends, Dokkan Battle, Pokémon Master et d'autres jeux auxquels je joue. Et puis, de l'actualité un petit peu pop culture. Donc n'hésite pas à venir aussi. Sur ce, on est parti. Pokémon Master, on clique dessus. Hein, je vais sur l'iPhone. Je crois que sur Android, certains n'arrivent pas à le télécharger. Je ne sais pas trop pourquoi. Apparemment c'est un peu compliqué. Donc je sais que certains vont me dire mais moi ça marche pas machin chachin. Ça va marcher pour tout le monde. Moi ça a marché ce matin donc voilà. Yo te voilà enfin, bienvenue dans Pokémon Master. Ne serait-ce pas Régis? Enfin bon Blue normalement quoi. Moi c'est Blue, je suis un dresseur de Pokémon trop balèze, t'as pas idée, excuse-moi garçon. Mais parle-moi un peu de toi. Mais écoute je suis youtubeur voilà à plein temps. Veuillez entrer votre surnom Susucre. Ça aurait été drôle qu'on puisse piquer le... N'utilisez pas votre vrai nom, vous pourrez changer de surnom plus tard. J'aurais pu... C'est dommage si en fait, si le nom était loqué, vu que je sais que Lilian est en train de dormir encore, j'aurais piqué son pseudo exprès pour qu'il puisse ne pas prendre son pseudo habituel. Choisissez votre apparence, écoutez, nous on n'est pas très bronzé, mais on n'est pas très blanc aussi, quoique un peu si quand même. On n'est pas blanc à ce point, je dirais, on est un petit peu blanc comme ça. Bon allez, on s'en fout. Au pire, ça c'est quoi ça? C'est pour zoomer, ok. Ça c'est quoi? C'est pour les yeux. Oh, on va se mettre des yeux stylés. On va se mettre des yeux stylés. On va se mettre les yeux jaunes. Parce que je trouve ça... remarque rouge, ça donne quoi? Bleu, gris. Ouais, jaune. On met les yeux jaunes. Au niveau de la casquette... jaune blond, ça me va pas trop. Noir peut-être. Comme ça, non. Gris. Ah, gris, ça en jette. Ah, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça aussi, j'hésite. Quoique blond, ça passe bien. J'hésite. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et on va valider. Voulez-vous choisir cette apparence? Remarque, vous pouvez la modifier à tout moment. Ah, bah, fallait me dire depuis le départ. Comme ça, au moins, on serait pas fait chier. Tu t'appelles Susuk? Oui, tout à fait, frérot. C'est pas mal comme nom. Je sais. J'ai eu du mal à trouver. Pas aussi cool que Blue, évidemment. Hein, c'est sûr que c'est pas aussi cool que ça. Mais tu te défends. Maintenant, je vais te révéler pourquoi on est là, toi et moi. On va participer à un événement sans sas. Qui dit sans sas encore en 2019? Le World Pokémon Master WPM. Pour faire court, c'est un tournoi géant où des dresseurs venus des quatre coins du monde se rassemblent pour se battre en équipe de 3. Mais attention, chaque dresseur a droit à qu'un seul Pokémon. Dans cette compète, c'est le travail d'équipe qui compte. Je parie que t'as hâte de te frotter à tout un tas de dresseurs, je te comprends. Alors c'est parti, l'univers de Pokémon Master nous attend. Ikuze, let's go. Écoutez, pour l'instant, c'est plutôt sympathique. Ça me remet dans mon enfance. Évidemment, ayant joué la version... jaune, la version bleue, la version rouge, la version cristal, la version diamant, la version or, la version argent, la version bleue, non, vert feuille, rouge feu, perle, pouf, même les dernières qui sont sorties, même si un peu moins les dernières, je te le cache pas. Ok, il faut qu'on appuie ici, on va appuyer là. Bonjour, je m'appelle Tali, je suis l'hôtesse d'accueil du World Pokémon Master. Je suppose que vous souhaitez vous y inscrire avec Pikachu, n'est-ce pas? On a Pikachu. Alors, tenez, alors toute chose, tenez, c'est pour vous, qu'est-ce qu'elle va me donner? Le Poké... Ah non, Polygophone. Très bien, je crois que c'était un Pokédex. Un Polygophone, un outil de communication polyvalent permettant... polyvalent. Ah oui, polyvalent. Oh, excuse-moi, grosse blague, désolé. Je savais pas que t'avais de l'humour. Polyvalent et indispensable à Passio. Le WP Herm est un tournoi où l'on affronte par équipe. Utilisez donc cet appareil astucieux pour contacter vos coéquipiers ou duo. Donc on va pouvoir jouer avec les frérots. Ça, c'est très bon avec les liens. On va pouvoir se faire des petites duos. À propos... A passion, on appelle duo la paire que forment un dresseur et son Pokémon. Ah, bon, je viens peut-être de dire de la merde du coup. C'est une notion essentielle. Oh mais j'y pense, je suppose que vous êtes à la recherche d'un coéquipier, n'est-ce pas? Dans ce cas, permettez-moi de vous présenter des duos dans la même situation que vous. Ah,
Donc du coup on peut pas jouer avec ses potes peut-être si. Oh Pierre et Andine, comment l'ancienne. J'ai entendu parler de toi, tu cherches aussi des coéquipiers pour le WPM. Tu peux compter sur nous. Formons une team. Bon, je prends Andine, moi je te le dis direct frérot. Non non non, je prends pas. Moi je suis pas de ce bord là. Moi c'est Andine, oui oui oui, je te connais. Oh merde. Ça a coupé vite fait parce que ça m'a mis un truc bizarre donc je sais pas pourquoi. Tu as entendu parler de la championne d'arène de Kanto qu'on appelle la sirène en short? Eh bien c'est moi Ondine, Ondine et Staros. Eh bien écoute Staros, on y va. Et moi je m'appelle Pierre, ravi de te rencontrer. Là on va, ça va sauter encore une fois. Si tu sens que le jeu est un peu écarté, c'est parce que pour que ça rentre dans l'overlay, je l'ai un peu comme ça élargi. Voilà, quand tu le verras, toi ils auront une tête un peu moins élargie. Donc là il y a encore le petit bug, vous allez rien voir. Voilà, je sais pas pourquoi quand ça fait ça, ça marche pas. Bon c'est pas grave. Onyx, donc on sait très bien, on connaît. On connaît hein, les Pokémon Pierre, j'en suis réellement pas fan, même si Onyx après, selon les versions, il peut avoir plusieurs types. Une rencontre en ville, obtenue. Eh bien écoute, ça me fait une belle jambe mon frérot, je suis plutôt content d'avoir une rencontre en ville. Alors là nous avons l'onglet aventure, l'onglet boutique, qu'est-ce qu'on peut faire là? Faut qu'on aille cliquer sur Jean-Jacques je pense. Oh top dresseuse. Oh je me fight pas contre toi, faut aller dans l'aventure peut-être. Scénario principal. On a des invocations, je suppose, les gars. J'ai envie d'invoquer, je sais pas comment on fait. Je sais pas si ça va être trop long pour que j'invoque avec vous en vidéo. Une rencontre en ville, on y va. En tout cas, ça fait pas grave plaisir. Ça me fait grave plaisir de rejouer à Pokémon. Oh, c'est trop stylé. Une rencontre en ville en avant. Ok, allons-y. Nous sommes à Cordy, la plus grande ville de l'île artificielle de Patio. Je connais un duo susceptible de te rejoindre, de rejoindre ton équipe à long à sa rencontre. Ouais, 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 très bien, on y va. Arrêtez, vous ne pouvez pas forcer les gens, Matrici, il va se passer quelque chose là-bas. C'est la Team Rocket ou quoi? Est-ce que c'est la Team Rocket? C'est la Team Rocket ça, j'ai l'impression, non? Je suis navré mais je refuse de me battre. Mon Pokémon n'est pas en état, il a besoin de repos. Vous pouvez bien remettre ça un autre jour, non? Non! On veut se battre contre Cynthia et on veut se battre maintenant! Ouais, doublage sur 20, je sais dire. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'affronter un maître. Allez, on va pas y passer la journée. Bon, c'était pas la Team Rocket. Ça suffit, vous voyez bien qu'elles ne veulent pas se battre. Bon, je suppose que la maître, c'est la meuf avec le petit haut noir. Ne t'inquiète pas, Echo est là. Hein, vous êtes qui vous? Vous voulez vous battre? Ah, vous allez vite regretter. Très bien, t'as un cheveu sur la langue en plus, tu crois vraiment que ça va me faire peur. Récompense, on récupère des diamants. Donc qui dit diamant dit boutique, qui dit boutique dit achat in game, qui dit achat in game dit invocation les amis. En avant, allons-y, premier combat Pokémon sur Pokémon Master. Ah, elle est trop stylée. Oula, elle est dans le requin. Oh, Kisame c'est pas dans ce manga, hein. On s'est trompé de manga les frérots. Kisame c'est pas ici. Allez, allez, on y go. Je sais pas si vous avez le son du jeu, je vais essayer de vous mettre peut-être un peu plus fort, mais j'ai peur que ça coupe ma voix. Je pense que ça coupe pas ma voix, je pense qu'il est bon. Mais c'est les mêmes bruitages, les gars. À Patio, les combats se jouent à 3 contre 3. Contrôlez vos 3 duos en passant de l'un à l'autre. Éclair. Ah ouais, mais je peux pas taper sur qui je veux, là. La jauge de capacité se remplit automatiquement. Ok. Utiliser une capacité consomme un segment de machin. On passe sur Pierre, bravo, merci. On va attaquer avec Pierre, on fait jet de Pierre par contre. Je suis obligé d'attaquer le même perso? Ou c'est juste pour le tuto? Je pense que c'est juste pour le tuto. En tout cas j'espère. Ah Messenger, casse-toi. En plus il y a marqué la faiblesse. En plus ils nous mettent la faiblesse au-dessus, c'est encore plus facile. Ah mais il faut que j'attaque là un jour, non? Peut-être, je sais pas. Non, non, c'était à eux d'attaquer. Oh le one shot de Pikachu! C'est le Pikachu qui one-turn le Roku l'adverse, c'est terrible pour le genre rokulien qui ne sait pas où passer. Ah oui, mais j'ai qu'à switcher en fait, je suis un gros zizi. Je suis un gros zizi. Buldo, en fait je pensais que... enfin bref, je me suis compris. Et le Nosferati qui est KO par la petite Staros qui fait plaisir. Vous avez battu, comment il s'appelait, Valorien le Vaurien, c'est ça? C'est toujours les superbes noms dans Pokémon les gars. Toujours des noms incroyables. Mais on adore, on adore, on adore, on adore. Alors, moi j'aimerais bien qu'on puisse faire une petite multi-win single, je sais pas si c'est possible en début de jeu, pour ce jeu-là, je me suis pas renseigné, ça serait bien avant qu'on termine la vidéo. Alors on va se fight à deux, ouais, c'est le mec qui zozote, c'est Flavie Flamand, Sophie Flavier, ou c'est Valar Jardin sinon. Tristan a terreur de se battre, ok, viens te battre, couvre-t'y battre, allez, allez, hey Tristan. Ok, Kuzo, let's go. Chaque duo, oui, je sais, merci. Je joue à Pokémon depuis que t'étais même pas né, frère. Allez, oui, oui, on va taper Maril, là, ou Staril, je sais plus comment il s'appelle, avec attaque éclair, puisque nous sommes du bon type. Oui, j'ai bien compris. Attaque éclair, Pikachu, pour le one-shot. Oh là là, c'est super efficace, incroyable.
Incroyable. Passons avec Pierre. Oui, on reclique dessus. J'ai Pierre sur la faiblesse de Jean-Jacques qui est ici. Qui est quoi? De type psy a priori. Si mes souvenirs sont bons, non, psy c'est combat. Putain, qui c'est qui m'appelle? Incroyable. Ok. On est bien. On va prendre Staros. Buldo. Et on tape. Allez, let's go. Vamos. Rakaillou et KO. Rakaillou et KO. Vous avez battu Terreur. Tristan. C'est énorme. C'est énorme de pouvoir jouer à Pokémon sur mobile comme ça. Bon, tu peux avec un truc qui t'émule, etc. Mais enfin bref, un vrai jeu mobile. Fait pour mobile. Pop, 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 pop. Et on monte. On monte aussi, on monte et... C'est les dresseurs qui montent de niveau en même temps que les Pokémon, je crois. Oula, on a récupéré 30 diamants. Est-ce qu'on va avoir de quoi faire une multi, les amis? Va-t-on avoir le temps de faire une multi? Non, il va falloir qu'on fasse une game, là, je crois, encore. On fait encore une game et je pense qu'après, on pourra faire une multi. J'espère, hein. J'espère. Oui, j'irai lire votre message plus tard, monsieur. Ou madame, je ne sais même pas qui es-tu. Alors, allons-y. Ravi de faire ta connaissance, Sucre. Ouais, je sais. Nous voulions te demander un service. Mais nous attendions pas à te voir en compagnie de Maître Sino, ici à Patio. Oh, vous me connaissez? Oh. Bon allez, bref, on s'en fout, Cynthia. Vamos, nous, on veut voir pour les invocations après. En tout cas, le petit Cynthia, j'aimerais bien être son maître aussi. Je te cache pas. Allez, calme-toi, Pierre, avec ton Onyx. Toi aussi, on s'en fout de ce que tu racontes, la kawaii. Allez, hop. 10 cristaux. Merci, c'est juste du blabla. On prend. Montre-moi les invoques, frérot. Ouah, je peux pas. Combat écho maintenant. C'est quoi combat écho, ça, les gars? C'est quoi? C'est les combats écho plus? On se bat contre eux. On se bat contre eux, ok. Why not? Ah, mais combat écho, mais elle s'appelle écho. C'est sucre! Voyons! Tu déconnes! Et quand je viens de voir que sur l'overlay, j'ai peut-être pas assez décalé qu'il y a un petit morceau de noir. Voilà, nous n'aimons pas trop ça. Vous avez désormais accès aux capacités duo. Les capacités duo sont des puissantes attaques capables d'infliger de lourds dégâts à vos ennemis. Ok. Utiliser une capacité fait baisser le compteur de la capacité duo. Ok. Compteur capacité duo. Oh! J'ai pris cher là, hein. Comment je fais? C'est ici pour faire un duo peut-être? Je sais pas, les gars, je sais pas. On peut choisir ici. On va faire éclair. Ah oui, la capacité duo, ok, c'est les. Ouais, mais du coup, je fais comment? Genre, je passe mon tour? Je dois passer mon tour, c'est ça en fait? Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Si, ici peut-être. Ah ouais, je peux appuyer ici. Je récupère 6 trucs peut-être. Wesh, c'est passé quoi? Oh, elle me fait une attaque en duo! Duo laser plante! Mais non! Ouh, la ronde cher Staros. Oh, oh. On a pris tellement cher. Comment je fais pour augmenter compteur capacité duo? Ok, je clique dessus. Utiliser une capacité fait baisser. Ouais, je sais bien, mais du coup, je fais quoi? Comment ça marche, les gars? Putain, j'ai l'impression que je comprends pas. Comment je fais pour l'activer, la capacité duo? Putain. Bon, faut que j'attaque. Faut que j'attaque, sinon je vais mourir. Sinon, je vais mourir. Buldo, ici. Putain, mais stop de m'appeler les numéros, là. Putain, ça doit être SFR ou quoi, là? Ça casse les couilles. Alors, j'ai de Pierre, ici. Oh, ça fait bobo, ça. Ça fait bobo, ça. Ça, c'est pas quoi ça sert, ça. On va prendre tir, là. Non, je veux pas mourir. Non, c'est la faiblesse, ça va pas aller. Ah, quoi, on peut éventuellement faire ça. Ah, j'ai un cooldown. Je peux faire des attaques autour, en fait. Oh, vous allez certainement me le dire dans le commentaire. Mais tu es divisé de Versa pour faire des attaques duo. Oh, c'est quoi, ça? Attaque duo, ça y est. Ah oui, faut que je la fasse baisser, j'ai compris. Non? Oh, stylé! Oh, le Fatal Foot qui déchire! Bon, j'ai toujours pas compris. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse baisser la jauge bleue au maximum en utilisant des capacités, justement. Et après, ça déclenche l'attaque duo. Et non pas la faire monter. Ça doit être ça, en fait. Vous allez certainement me le dire dans l'espace commentaire. Je vous fais confiance! En tout cas, c'était grave stylé, les animations à des chiens. On récupère encore 30 diamants, putain, c'est en combien les multi? 300 ou quoi, les frérots? Allez, dis-moi que là on peut aller multi parce que. Ou single. Je suis obligé, je peux revenir en arrière. C'est super long. C'est super long!
Ok, on passe. On est déjà à 14 000 de vidéos. Oui, dans l'équipe. Oui, dans l'équipe. Ah, on la récupère dans l'équipe Echo. Ok, très bien. Oui, on forme un duo de tonnerre incroyable. Ok. Elle arrive avec son... 5 étoiles, Jean-Jacques. 5 étoiles. Ah, mais c'est une 3 étoiles, là. Pourquoi il avait écrit 5 étoiles? On a encore perdu, on a encore perdu. Je vous rappelle qu'on est en phase de découverte. Qu'on ne connaît rien, les amis. On découvre totalement le jeu. Professeur Bélis. Eh ben... Bélis, oui, je m'appelle Susu. Comment chanter, Bélis? Si tu veux, on peut aller boire un petit coup. Oui, je m'amuse beaucoup. C'est la folie. Sauf si SFR pouvait arrêter de m'appeler avec leur plateforme qui se trouve à l'étranger. Ça m'a arrangé, merci. Allez. Oh. Aglaé. Eh bien, écoute, bienvenue Aglaé. Boutique. À boutique. Boutique. C'est quoi ça? Appel duo. C'est quoi ça? C'est ça les invoques? C'est une invoque? C'est quoi? Comment ça, téléviseur connecté, cette vidéo est en lecture. Putain, ça marche pas avec le partage d'écran, les gars, ça foire. Vous, vous voyez un truc, mais moi, je le vois même pas, regardez. Regardez. Ah, ça y est, maintenant, je le vois. C'est ça, j'ai invoqué la meuf avec blanche avec écrémeux. Putain, elle était dans quelle version, elle? Résultat de l'appel duo. C'est ça, en fait. Je comprends pas, les gars. Par contre, c'est chiant si avec Air Server ça vous retransmet. En plus, ça me bouge l'overlay. Si avec Air Server ça vous met pas les invocations, c'est vraiment chiant. Je devrais vraiment pouvoir attendre de passer sur émulateur pour vous le montrer. Plaçons le duo que vous venez d'obtenir. Ok, on le met. Duo. Ah ouais, d'accord. Très bien. Après, il faudra voir avec quoi il va falloir reroll, les gars, aussi. Hein. Faut pareil. Toujours le même bail. L'application va redémarrer pour télécharger les deux données. Ok. Bah écoutez, nous on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. On a vu un petit peu comment ça se déroulait, le gameplay, les invocations, même si malheureusement avec Air Server, quand je vous le mets, eh bien ça. Je sais pas, vous avez bien vu, hein, ça faisait un gros zoom. Et moi j'avais même plus l'animation sur mon téléphone. Donc peut-être c'est des bugs, peut-être que c'est parce que c'est pas encore compatible comme ça. Ben, on verra, on trouvera une solution avec BlueStacks, avec l'émulateur, pour que normalement ça puisse s'arranger. Mais en tout cas, les premières 15 minutes que j'ai eu à faire au jeu, eh bien ont été plutôt sympathiques. J'ai passé un bon moment, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire sur ce jeu Pokémon Master. Est-ce que vous allez y jouer? Est-ce que vous n'allez pas y jouer? Quel Pokémon vous voulez absolument récupérer? Pour moi c'est Mewtwo, Dracolos, c'est la folie, évidemment. A priori il s'invoque. Je ne sais pas combien de Pokémon il y a dans le jeu, ni combien de personnages, ni combien de versions sont aussi comptabilisées dedans. Mais on risque de passer quelques temps sur ce petit jeu. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, abonne-toi, lâche ton pouce bleu, biscuits love peace et ciao.